Officiellement, en 2002, la France s'est redressée, soulevée un vent de front républicain a soufflé. Du matin brun au jour marron, sous-titré France 2002-2022 d'un certain Stéphane Ternoise. Un livre peut-être voué à ne connaître aucune présence médiatique parmi les installés, mais en vidéo, je vais essayer, première vidéo, juste le texte de la quatrième de couverture. Officiellement, en 2002, la France s'est redressée, soulevée un vent de front républicain a soufflé. Un livre est sorti de l'indifférence, Matin brun, étendard du refus de l'extrême droite. Deux décennies plus tard, jamais un président n'est entré en fonction dans une telle impopularité, le moi ou un extrême a certes encore fonctionné. Mais en 2002, le vainqueur culminait à 61,99% des inscrits. En 2022, il chutait à 38,52%. Il n'y a plus de majorité en France pour dire non aux extrêmes affichés. Pour éviter un matin brun, la République s'est engloutie dans un jour marron, un extrémisme masqué. Et la deuxième petite note, le 24 avril 2022, il était peut-être encore temps pour un réveil citoyen, un blocage de l'engrenage dans les urnes législatives. Mais aucune voix cohérente audible pour ce front humain. L'abbé Pierre fut le dernier non inféodé dont les installés ne pouvaient pas rendre invisibles les indignations. Je pense que les installés, petit commentaire, ont les moyens de rendre invisible ce texte du matin brun au jour marron. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous intéresser à ce court livre, 46 pages, c'est peu, mais c'est presque 4 fois plus que Du Matin Brun, qui en 1998 fut publié. Officiellement, en 2002, la France s'est redressée, soulevée un vent de front républicain a soufflé.